Hola. Comme de la merde à la plage. Ouais, mais les flics ils sont pas là, ils sont fermés. J'ai vu le tweet sur ouais, le gouvernemental, mes couilles. Ouais, il s'est passé un truc hier soir ou pas? Bah moi je suis pas resté plus que vous, mais je sais pas. Moi j'ai pas vu que tu as peut-être des trucs, tu connais des gens, des trucs comme ça. Nous hier soir quand on allait se coucher, c'est rien passé. Moi, je crois pas. Sinon, pour info, j'ai recroisé Johnny. J'ai croisé Johnny Deskulls dans le nord quand j'ai fini le chant et tout. Il a l'air mal en point, le pauvre. Ah merde. Il était en canne et tout. Bref. Merde. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu droit à le déposer à Stab City, hein. Ah ok, ah, bah normal, hein. Enfin, ouais, normal. J'ai vu que t'as fait une grosse transfo. Ouais, cet après-midi là. Donc, j'ai pas pu venir cet après-midi. Ouais, J'ai fait tranquille. des champs et le. C'est un petit champ ce soir. Hein. Donc, Ouais, j'ai petit fait ça. 500 tranquille. Ah ouais? Putain. Ah ouais, non, j'ai fait 500 et quelques, j'y peux pas. Ça, c'est horrible. Non, mais je pense que je vais y retourner. Ouais, tranquille. Dans la soirée, vu que ça va, ce soir ça va être compliqué de braquer. Tu penses? Petit sentiment. Sinon hier on a réussi à braquer un peu avec les James et Jules. On a fait 4 sup, une trentaine chacune. On a fait un peu moins de 100 en sac quoi. Et il y a Fifi à aller voir dans la soirée, il a une centaine à peu près. On a vu avec lui pour aujourd'hui. Ok. Voilà, monsieur.
Merci. Et yo. Yo man. Comment ça va? Et ça peut te foutre? Et yo. Pas lourd. Oh ma biche, non, ça va. Merci pour le remboursement. J'ai pas une news de Fifi par rapport à aujourd'hui. Il m'a pas contacté, j'ai rien. T'avais réussi à avoir une date, James? Non, il m'avait dit aujourd'hui, donc pas plus d'infos. Et hola James. Et yo. On sait si Jules va être là ce soir ou pas? Normalement oui. Oui, hier il avait okay. dit que... Pas de problème. Ok. Sauf s'il a fait des rêves de Karine. De Karine? Ouais, non, commencez pas, ça va me tendre pour toute la soirée. C'est qui Karine? Non, c'est... T'inquiète. Ah, je sais pas, moi on me dit rêve de Karine. Je non, sais non, qui, mais je vais m'armer, je vais tirer sur toutes les Karines que je croise dans la rue, c'est tout. Hier, on a cherché une Serge pendant 3 heures. On est tombé sur sa sœur jumelle pendant 3 heures. Du coup, on est tendu. Ah, ok. Hier, Jules, à chaque fois qu'il en croisait une avec son Rebla, bah, il lui refaisait le cul. Donc, je suis un peu tendu. Ok. Est-ce qu'il y en a un de vous dispo pour que je ramène... Putain de radar de merde. Ouais, je suis au quartier. Toutes les bagnoles du coup du parking au quartier. Ouais, je t'attends au quartier. Ok. C'est quoi ça, Rosa? C'est un Mesa. Oh mais putain, mais Gérard, hein, fais un effort, s'il te plaît. Ah, ils sont sérieux la mairie par contre? Pourquoi tu pour parles du l'état d'alerte machin truc mûche là? Ouais, pour ça, ouais. Je vais essayer de les contacter pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Et de toute façon, les états spéciaux comme ça, c'est pas genre que 48 heures que c'est autorisé? Ouais, bonne question. Je sais pas si c'est le 4, 5 et tout ça, parce que là j'ai l'impression qu'on merde. Passe du 3 à un truc extrême. Pardon, je suis tendu. Ça commence super bien. Pardon, je suis tendu. C'est ce parking là. Oh l'enfer. Plein, c'est du tout terrain. Bah oui. Ah, qui c'est qui me fait chier par message? Ah, c'est pas moi. Alors. Et c'est ton mec. C'est bon, ça va là. Okay. Je regarderai après. Il veut quoi?
Non, je lui ai dit que je voulais discuter avec lui, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ah, à quel sujet? Bah, par rapport à la dernière fois quand il est venu au quartier, hein, tu sais. Ok. J'ai pas eu le temps de le faire, donc ouais, il fait bien de me le rappeler, tiens, tu vois. Ouais, bah on en a parlé vite fait. Eh, alors toi, regarde-moi bien, toi. Hein. Heureusement que je suis vif, hein, putain. Par contre, le radar, je t'oublie pas. Oh l'enfer. Radar, ah, il est là. Descends. Allez. T'as combien à faire? 4. Oh l'angoisse. Alors attends, ils sont pas là. Quoi? Ça y est, je me rappelle où ils sont, c'est pas ici. Je suis une connasse. Je suis une connasse, c'est à celui-ci. Ah mais, toujours plus loin. Mais je... Oh... Vous êtes 20. Ben, on a 4 véhicules à ramener, du coup. Salut, petit plage. Alors par contre, j'ai des kits sur moi, j'ai mon flingue, j'ai de la dope, j'ai tout sur moi, là. J'ai juste pas de dope. Je crois que... Ouais, tout le reste, j'ai, mais j'ai juste pas de dope. En vrai, c'est rentable, le vol de bagnole, hein, quand t'en trouves 2 sur 3 à la soirée. Mais bon, faut trouver les trois, quoi. Il y en a toujours une qui est plus chiante, il me semble. La plus chère était la moins chiante, donc on a eu de la chance. Chelou. Y a une moto ou pas? Attends, je sais plus. Alors en fait, il y en a 5, et oui, il y a une moto. La moto, on va la charger sur ma club. Mais on peut la charger sur un speedo. Le mec, il est tout seul à la plage. Attends, mais Rosa, tu vois pas avec la mallette derrière toi là? C'est qui? C'est Saskia Bros. Je l'avais pas vu! C'est Saskia Bros. Mais attends! Vous faites quoi là? Ça parle de mallette, de plage? Ben, on est à côté du restaurant avec. Tu sais, le restaurant du train là? Et il y a un mec avec une mallette au fond du parking. Bah, faut le gauler! Bah, ouais, mais on était masqués donc viens toi! Il pourra pas sortir de toute façon. Vous savez qui c'est? Aucune idée! Pas du tout! Bah j'arrête, je vais le soulever! Hein. Cheveux blancs, habillé en cuir. Attends qu'on parte au moins avec les premiers véhicules. Habillé en cuir, cuir comment? Cuir en moustache. Veste en cuir. La même que Michael, pantalon avec une petite chaînette et basket blanche. C'est pas un Skull ça? Mais qu'est-ce que j'en sais, je connais pas tous les Skulls. A chaque fois que je les vois, ils sont full masqués. C'est sûr que c'est une bonne idée de braquer un Skulls, mais... Du coup, je le fais du coup. Non, t'inquiète. C'est curieux quand même. Putain. C'est chiant à faire, hein. Non, le mot est faible. Juste envie de tout brûler, mais... Putain. Attendez qu'on ait bougé avant de faire quoi que ce soit. Nickel. Je sais pas. Bah tu demandes l'identité, si c'est un skull, tu le laisses. Ah oui, ce serait bien de juste savoir qui c'est. Le man il est tellement invisible que je l'avais pas vu moi. Je l'avais pas vu non plus. Mais je l'ai vu au dernier moment, je te jure. T'es armé, Kenneth, ou pas? Ouais, je suis armé. T'es proche du truc ou pas? De quoi vous avez parlé en même temps?
Est-ce que vous arrivez là? Bah moi je suis pas loin. T'es où? En contrebas là, au... je sais plus quoi, au truc de clown là. Truc de clown? Comedy Club. Comedy Club, ouais. Je suis pas armé. Rosa bouge de la zone avant qu'il braque quand même. T'inquiète. Je t'attends au quartier moi, Rosa, au cas où. De toute façon, je suis canette. Speedo quoi. Enfin... J'ai pas d'arme, j'ai un zip. Bah tu veux qu'on... On lui demande peut-être comment qui sait, comment il s'intitule peut-être. Bah ouais, demander comment il s'appelle et si bah suivant qui sait, aviser quoi. Ok, bah je t'attends Michael. Tu fais le top vu que t'es armé, moi j'ai juste mon couteau, j'étais en train de vendre. Mais t'es où là? Juste en face, je te vois. Vas-y bah go hein. Go, je te suis. T'es ok? Ouais, c'est Max Hoover des Skulls. Ah, c'est un nouveau ça. Fuck. Ouais. Bah, je m'étais dit que vous lui avez laissé la mallette. Oh bah oui, on touche pas à sa mallette. Plus que 3, oh. Let's go. Oh putain. Terrible. Dis pour quelques heures, c'est que tu repars combien de temps après? Je repars une semaine. Bonne, ok. Enfin, si tout va bien, je peux revenir vendredi. Ah. C'est si tout va bien. Rien de grave, ça va? On a enfin réussi à emmener mon père en procès. On espère. Bon, je suis pas au courant tout, mais ok. Je cherche pas. On essaie de faire tomber mon père, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. C'est le père de James qui nous aide. C'est lui notre avocat. Donc. Nickel. On espère qu'il fasse bien son taf. Ah, c'est pour ça que je suis aussi par une semaine. Ouais, c'est ça. Il va en profiter pour essayer de renouer avec ses parents. Au passage. Je vais juste checker un truc tant que j'y suis. Faut que je la croise celle-là. Mais on la croise tout le temps celle-là. J'ai l'impression que c'est dingue. Depuis qu'on l'a vue aux EMS, j'ai l'impression qu'on la croise tout le temps.
Bah depuis que je l'ai vu aux EMS, je la vois tous les jours. C'est tout. Mais on sait à qui elle est au final? Ou pas? Aucune idée en fait. Il y a potentiellement des nouveaux arrivants depuis quelques temps, mais... Ouais, mais qui aurait déjà une bagnole? Une Brioso avec Lana, ouais. Moi, la Brioso de Lana, je l'avais payé 3000, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. On va peut-être aller dire bonjour. Ouais. Ah tu commences pas. Rosa, c'est quelqu'un qui va t'intéresser à parler. Yes, bah je venais dire bonjour. Oh, voilà. C'est une question de... Alors, monsieur Max Hoover, qui est actuellement prospect, mais qui à la base est l'un des fondateurs des Skulls, qui est revenu sur l'île, que je connais de l'époque. D'accord, ok. Ah oui. Le repassé, mais maintenant c'est le présent et on passe à autre chose, quoi. Ouais, exactement. Bon, à l'époque... On a fait des quelques conneries quoi. Oh ouais. Quelques. Tu vois, c'était pour que tu passes me dire bonjour. Hein. On va dire ça, oui. Ouais. Voilà. Ok, ok. C'est ta groupe style, j'ai compris maintenant. Du coup, enfin, ça fait un moment, mais je t'avoue que moi j'ai récupéré les infos à droite et à gauche quoi. Oui, tout ce qui est violet sur la map, seul. Il n'y a plus les balas. Les balas, c'est une histoire du passé. Oh bah c'est la même de notre côté de ce que j'ai compris. Hein. Donc, j'étais pas là, mais on m'a expliqué la même chose. Ouais, c'est cool, hein. À l'époque, c'est ce que vous vouliez, donc. Ouais, sauf qu'à l'époque, on était un peu plus petit, quoi. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bah, c'est l'échange, les choses changent, c'est bien. C'est bien, c'est bien, il faut. C'est parfait. Bah, sur ce. Yep. Moi, je dois décaler. Bah, bonne soirée. Bon courage à toi. Tu dois avoir Mimi qui stab. Je vais aller à stab et je vais la récupérer le petit Johnny. Je l'ai déposé il y a quoi, il y a 30 minutes, donc je sais pas s'il est toujours là ou pas. Bah, je vais l'appeler, on verra bien. Vas-y, bah, bonne soirée du coup. Bonne soirée. Bonne soirée. Excellente soirée. La même. Sympa. Ouais, il est sympa. À l'époque, il était un peu têtu. J'ai envie de mourir. Ah, ouais. Tu veux qu'on échange? Être dans une bagnole bleue Speeders, là, j'ai envie de vomir. Mais quoi? Dans la club d'Harry. Ah, je suis dans la club. Oh, merde. Elle a foutu en bleu, cette connasse. Bah, comme au début. Bleu bon, avec la tête de requin. Ah, t'accélères pas là, Rosa, si? Ah, je suis au max là! 150! Bah, attends, mais la mienne est stock et je te fume là? Mais je sais pas conduire ces merdes là! C'est trop léger pour moi ça! C'est affreux! Elle a pas d'accès, elle a rien. Ouais, mais ça fait nos premiers dollars, ça. Oui, bah oui. J'en ai passé du temps dans cette putain de club. On est deux. Raconter des conneries et tout. À rater des trottoirs. Ouais. En même temps, même le trottoir du quartier, je le passe pas avec la club, donc... Vous voulez une bonne nouvelle? Vas-y. On a une nouvelle PM. Oh, c'est quoi? C'est qui? C'est frère. C'est quoi? C'est Antoine du Bénis et Antoine Barbe Blanche. Ah, Marinelli. Oh putain, tu m'as fait peur. Ouais. Ah, non, lui, je sais. Lui, il m'avait parlé, il voulait faire des courses de rue, lui. Et il a l'air bien aussi, il a l'air bien. Il a l'air pas mal, ouais. J'ai discuté via un quart d'heure avec lui l'autre jour. Il a l'air intéressant, ouais. Je confirme que le véhicule de Nguyen est rose et pas violet. Ah bah nickel. Je viens de le voir là. Ah je pense que de nuit on doit le voir très violet quand même. Ouais, c'est pour ça que je l'appelais hier en pensant. Ouais non mais on a bien fait.
Nguyen, le flic? Oui. Okay. On sait où on a des infos de là où il est. C'est pas on a des infos, c'est on sait où il habite. On a payé l'info hier. Ah, vous l'avez payé à qui? À Fifi. Intéressant ça. Ah ouais. Yo. Il m'a donné c'était à la plage, quand je dis là, on a discuté un peu. Oh là. Et en gros, il m'avait donné là, il me demandait si un logement de flic ça m'intéressait. Je lui dis ça dépend de quel, il me dit Nguyen, j'ai fait je prends. En tout, j'ai payé 3000 balles et j'ai rajouté 250 parce qu'il m'a donné sa couleur de véhicule qui semblait très violet à ses yeux. D'accord. Moi j'embauche, je vais faire signer le contrat à une PM et les autres, ils repatrient des bagnoles. Offre radio quelques minutes. Ok. Je vais signer le contrat. Ouais, non, moi, c'est moi, je pense. Depuis quand nos PM ont des contrats? Pas. Tu sais que moi en soi, je suis en burn-out, hein, je comprends plus rien. Je peux plus comprendre. Ouais. Monte. Alors je pédalerai bien, mais un peu plus. T'inquiète. Faut pas déconner. Hein. Allez, plus que deux. Il reste quoi là? Tropos, c'est ma shafter. Oh, le taxi là, j'ai cru que j'allais lui tirer dessus. J'ai l'impression d'être assise par terre. Ouais, les sièges ils sont en option en ce moment. Ah, c'est affreux. Les radars, putain, les radars! Ah bah fais attention, hein. J'ai perdu un point hier. J'en ai perdu 3. Mon permis était tout neuf, je suis déjà à 8. Je viens croiser un beau traiteur là, il m'a fait de l'effet. Même pas il répond, t'en forêt. Non, oui, c'était moi, c'était moi. C'est ok aussi, je pose des carrés. Oh, le traumatisme. Rosa, faut freiner. Hein. J'ai freiné. Pour moi, t'as défoncé ta porte de garage, là, genre. Alors, pas du tout. Ça va alors. Allez, la dernière, alléluia, mes frères. J'avais le réservoir rempli, je suis à moitié. Ah, oui. Tu merdes, hein. On est chez nous. Petite question, si la place de N2 je te l'offre, mais en test pour l'instant. Ouais. Ça te va? En tous les cas. Parce que je vais être absente, il faut quelqu'un pour gérer. Radio. Ouais, ok. Ouais. J'ai parlé à un flic, lui-même n'est même pas au courant, qu'est-ce que ça implique. Nickel, la mairie décide des trucs sans prévenir les forces de l'ordre. Il me tient au courant dans la nuit. La nuit. Oh, putain, la nuit. La nuit.
Eh, quand je suis gentil, je le menace pas, il me répond. Continue comme ça, je suis fier de toi. Ouais, mec, t'es une Guyane, hein. Ah, super. Bah écoute, dans tous les cas, Michael veut pas l'être. Jules, ça m'étonnerait aussi, Kenneth non plus, donc vas-y, hein. Moi, j'ai pris que ça pour du violet. Après, je sais pas si on va faire un truc ou pas, mais Guyane, c'est bien du rose. Pour l'instant. Bon, attends, je récupère la shafter et puis. Attends. Bah... Ah, mais c'est là. Mais c'est du coup, hier, en regardant chez lui, il est en coloc avec d'autres gens. Je pourrais pas qui vous dire qui c'est pour le mais moment. C'est mais pas ouais. Conduire mais... Tu peux t'arrêter deux secondes, s'il te plaît? Mais. T'as pris au saut, je la vois de partout. C'est quoi ton nom, s'il te plaît? Ouais, faut parler un peu plus bonjour. Fort. Ouais, bonsoir, ouais. Bonsoir. T'as pris au saut, je la vois partout en ce moment. C'est quoi ton petit nom? Alexander Cassa. Alexander Cassa. Connais lui? Non, je suis pas sûr. What's the news? Tout à fait, oui. Ah putain, je me disais bien. On a enfin un nom sur cette bagnole. Oh putain. Vous êtes Monsieur Walker, c'est ça? Wow. Non, Price. Et c'est pas la même. Bon. Monsieur Price, c'est pas le bon, ouais. Y'en a deux, ouais. Très bien. Okay. Bah c'est parfait. Bah au moins on sait qui vous êtes, parce que ça fait un moment que je croise votre brioso, j'arrive jamais à savoir qui c'est qui l'a conduit. D'accord. Passez une bonne soirée. Ouais, et en rouge elle pète, ouais. D'accord. Mais rouge quoi. Bon, c'est qui c'est. Ouais. Non, c'est un bon. Il m'avait filé des infos et potentiellement il aura besoin de nous pour faire tomber quelqu'un. Ça rigole ça. Ouais. Bon, de toute façon, on se retrouve quartier. Ok. Bon. J'aimerais bien le tester, Barbe Blanche là, apparemment en conduite il tâte vénère. Ah il a l'air chaud de ce qu'on a dit, ouais. Ouais, il est chaud pour faire des courses de rue, donc ça serait cool qu'on organise ça. Ça fait longtemps qu'on voulait en organiser déjà. Avec Jules à l'époque déjà on réfléchissait pour en faire, donc en vrai... Je me rappelle, on en avait parlé. Hein. Ah il y a moyen, ouais. Mm-hmm. Après lui, il vient de commencer à bosser pour nous, mais... Mais... Je le garde à l'œil. Le putain radar. Putain, Kenneth, il y a un mec qui vient de nous confondre tout à l'heure, tous les deux. Qui a fait ça? Un mec du visage, j'ai oublié son nom. Celui qui a pris au saut rouge, là. Cassa. Ils ont tous, là. Ah, c'est qui? Je sais pas, mais c'en est un qui aimerait qu'on fracasse quelqu'un. Oh. Bah ça dépend qui après, mais ouais. Oh, je sais pas, il nous a toujours pas recontacté. About none of these Uncle Toms, man. Ouais, non, mais ouais. Encore, ouais. Tu...
Ouais, aussi, mais bon, comme il dit, c'est le présent qui compte. Il se croise dans sa tête et il fait une dinguerie, il est capable. Hein. Je l'ai vu faire des trucs. Qui s'est ouvert ? Prendre attention à lui. Prendre avec des méga pincettes, oui. Un petit chiolote là, Jules, encore ou quoi ? Jules, t'es où ? Au bénis, j'ai cassé ma vitre. Viens, t'es pas en train de chier, moi. Non, non. Oh, en parlant de vitre, ouais, la mienne, hein. Alors, tu apprendras que j'ai un gros problème de portière et de vitre. Ah, je vois ça, et tu m'as dit, viens, on va lui dire bonjour, et t'es descendu alors que j'allais t'amener là-bas, genre. Oui, j'ai un problème de portière avec les marches arrière et tout. Je vois ça. Cherche pas, c'est... Oh non mais, t'as vu Twitter? Il veut quoi Fifi, il est fou lui. Mais c'est un fou furieux ce mec. Amenez-vous. C'est un malade. Il pose les termes, ferme Fifi. Allez, je t'en... C'est un fou furieux lui, mais je l'aime bien. Lui, il en a rien à branler. Je l'aime bien ce mec, dommage qu'il préfère porter du cuir. Hein. Il va partir en tôle, ouais. Ouais, bon. Je crois qu'il est plutôt solo lui en fait, s'il est pas trop... Et il est plus bécane américaine surtout, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas... Quoi, c'est un coup de feu ça? J'ai rien entendu moi. J'ai rien entendu mec. Oh, faut que j'arrête la drogue. Je pense que ce serait bien. Ouais là, Nathanaël. Ok. Ça veut dire quoi? Elle est pas mal, j'aime bien. Ah mec, elle m'a dit la même chose hier. Ah non, c'est vrai, là j'ai discuté avec lui et tout. Tu peux discuter. Je sais qu'il est avec un collègue à lui, parce que je devais lui vendre ma club, mais il m'a dit que pour la caisse il devait en parler avec le pote avec qui il allait sûrement s'en servir, donc à mon avis c'est un petit groupe. Le pote avec qui il s'en sert, ouais. C'est qui ? Emily. Ah ta gueule. Oh ta gueule. Oh mon dieu, rien que pour ça il devrait mourir. Non. Non mais tu vois, je l'ai jamais croisé là Emily, je suis sûr que c'est pas quelqu'un d'aussi détestable que vous le croyez. Bouche à pipe, hein ? Allô ? une chiennasse. Mais je lui laisse sa chance, je ne l'ai jamais croisé. Non, elle se tapait deux bleus ciel, elle se tapait Nathanaël, moi elle m'a chauffé mon gars. Elle a tenté avec James. Voilà, bah. oh le litige. C'est une chaudière. Elle a tenté avec James, elle a vu que ça ne passait pas, du coup elle s'est attaquée à deux bleus ciel. Elle a harponné deux bleus ciel. Elle a harponné deux bleus ciel. Elle a plus qu'harponné, bichette. Elle a même trompé à la plage avec Mahoney, donc. Non, c'était pas Mahoney. Non, c'était Nathanaël. C'était Nathanaël. C'était Nat, du coup, merde. Mais oui, non, c'était peut-être pas que Mahoney est dans l'équation aussi, son Non, non, Mahoney est pas dans l'équation. Laissez Mahoney en dehors de ça. Ouais. Je te jure. Bordel. Et bonsoir. Hola. Non mais tant que j'ai pas rencontré cette meuf, je peux pas dire que... Non, vraiment, je peux rien dire. J'attends de la voir. Elle a chaud. Elle a très chaud. Elle a très chaud. De qui? Elle a très, très chaud. Elie. Ah, moi après je l'ai côtoyé qu'une seule fois avec Yannette et c'est tout. Trop. Elle a quand même dit à l'autre là, t'aurais pu ne pas le rater ou une carrière d'enchant là. Comment ça? Ah, Jules t'es tendu. Non, c'est... je l'ai éternué mais non. Ah, ça va alors. Comment ça? Ah ouais, c'est la JB, ouais. Ah, c'est pour ça qu'il y a des feux qu'on la choque là. Bon, si elle bosse avec Nat, ça doit pas être compliqué à choper. S'ils mettent leur état d'alerte, je sais pas quoi, leur état d'urgence là. Non mais il me semble qu'il peut pas être plus de 48 heures. Ouais mais je sais, on sait ce que c'est concrètement. Mais c'est surtout, on est en alerte quoi là concrètement en ce moment? 3, toujours niveau 3. Et niveau 3, ouais. Ok, ah, donc ils ont le droit. Donc ils ont le droit de passer en état d'urgence. Ah ouais. Plus ça va, moyen de monde dans le cercle alors qu'on doit discuter. Oui. Ouais. Ouais, bah ouais. Oui. Discuter de quoi? Tu vas en propre comme d'hab. Bah je prépare le terrain pour la semaine prochaine où je serai pas là. Puis bon, il y a des choses. La semaine prochaine, t'as dit ? Non, je suis pas là la semaine prochaine. Ok. Puis bon, il y a des petits trucs à clarifier quand même. Brian, il sait pas ce que ça veut dire. Ah, c'est au Brian ? Non, mais c'est une dingue.
aller voir la mairie, ils sont pas là. Ah non mais super. Il y a personne qui est au courant quoi. Donc ça agite la carte à l'air d'urgence, mais on a fait état d'urgence, on personne sait pas ce que c'est. Alors le maximum c'est niveau 4. Bah, est-ce que à niveau 4 de dire état d'urgence du coup? Question. Bah techniquement je pense parce que ils ont pas le droit de passer d'une alerte à l'alerte maximale sans passer par les paliers. Ils sont obligés de passer par les paliers. Étant donné qu'on a alerte 3. Donc je pense que l'alerte 4 c'est l'alerte d'urgence. En quoi il s'est passé quoi là dans les derniers jours en fait? Mais oui, il s'est passé quoi là en 4 jours? Rien 4 du jours. Tout, juste les gens qui ont fait du braco, les flics qui étaient en. Ouais, je sais pas, oui, y a rien qui a changé parce que en soi, nous on s'est calmé, on tourne plus autour des EMS, on a chopé personne depuis quelques jours, hein, puis ça va. Hein. On a même fait profil bas, en vrai, ça va. Hein, dans la constitution. T'as toujours ta part, tu vois. On ira voir la mairie quand ils seront ouverts tout à l'heure. De toute façon, il faut que je fasse ma déclaration. Putain, la merde. Bah, moi, Porcher doit me recontacter, mais j'attends encore donc. Te contacter pourquoi? Parce qu'il a fait le recalcul de ma TAV. Ouais. Bah, sauf que la dernière fois en fait, j'ai pas compris, faut changer vos véhicules machin. J'ai changé mes véhicules. Hein? Et maintenant il me dit oui, mais du coup il faut tout que je recalcule, sauf que faut que je prenne en compte le fait que depuis novembre vous avez pas payé. Mais du coup vous aurez pas de 10% en plus de je sais pas quoi en plus. Donc il faut quand même que je recalcule. J'ai rien compris. Du coup il a dit je vous recontacte, j'attends encore. Après si tu pars une bonne semaine pour les raisons que tu m'as expliqué tout à l'heure, le mec il est capable de te faire un truc en mode hop, vous êtes en retard de paiement encore plus et vous allez payer encore plus. Hop, je lui ai envoyé un message avant de prendre l'avion et il va juste se détendre. Il nous appelle, on paye pour toi le temps que tu rentres et il va pas faire chier. Non mais... Je crois qu'il a même pas mis à jour mes véhicules hein, donc tu sais... Ah bah surtout que là tu vas payer cher avec tout ce que t'as hein. C'est pour ça que je voulais m'en débarrasser avant. Ah bah ouais je comprends mieux ouais. Ouais. Après dans le tas tu vas garder quoi là? Pour moi, je vais juste garder le Mesa. Ouais ok. Le Speedo, il va aller à qui? Bonne question. Le speedo, j'ai pas encore défini. Y a la moto aussi. La moto, c'est à qui la veut? Ouvre ta caisse. James. Oh, tu veux ma caisse? Casse pas la tête. Il va où? Kenneth, tu vas où, on Kenneth discute vite fait. Je vais bosser, moi. Ah, mais faut qu'on discute, là. Bah, le boulot avant et la discussion après. Bah, c'est une discussion de boulot, Kenneth, en fait. Ah, bah, moi, c'est du boulot qui rapporte du fric. Nicky ma club là je viens de remarquer. Ouais. Ah ouais non je viens de capter que maintenant. Et il reste quoi après? Ça marche quand même une club hein. L'Atropos. Oh l'Atropos c'est un enfer. Ouais, l'Atropos je pense que je vais. Je sais pas. Et la club aussi. La club elle va à Kenneth. Et l'argent de l'appart, etc., tu l'as mis dans la caisse nord? L'argent de l'appart, c'est aller dans la caisse. Au pire, discutons sans Kenneth, hein, parce qu'il avait pas l'air de vouloir discuter. Hein. Oui, sauf que. Ouais, c'est qu'il est parti à faire un refil, je crois. Sauf que, ben, il était concerné directement, donc ça m'emmerde. Putain. T'en as pour longtemps, Kenneth? Non, je vais en 3 brouilleurs, j'arrive. Ah, nickel. Ça doit être fifi, encore. Bon, mon vieux filou, il est déterminé. Et tu vois? Bah, voilà. Attends, mais ce qu'il a mis sur Twitter, fifou? Fifou, filou. Fifou. On n'a pas de nouvelles de Hanako? Pas de mon côté, non. Michael, t'as eu des nouvelles ou pas?
T'as vu sa bagnole là il y a quelques jours? Quoi, c'est une Komoda qu'il a lui, non? Il a une Komoda, une Shafter. Non, c'est ni Shafter ni Komoda, c'est une. Un Sugoi? Ouais. Oh ouais? Oh putain, j'ai vu un mec avec une Komoda, un Komoda, je pensais que c'était lui. Oh, bah, du coup, je les confonds tout le temps. Komoda, ça peut être. Ça peut être les Skull. Y'en a un qui a une Komoda. Ouais, ok. Ok. Liste de véhicules exhaustifs. Attends, on est d'accord que le mec du Benny c'est notre PM du coup? L'Antoine Minarinelli, je vais lui demander un truc. Faut que je l'appelle. Je pense que ce serait pas mal qu'il y ait un mec pour nous au Benny qui note plaque de véhicule, modèle de véhicule et nom de la personne qui possède le véhicule. Un bon suivi de quel véhicule on cherche et à qui il est. Ouais, après avoir la façon de le payer. Voilà, ça va être de l'argent encore perdu. Et ça peut être des faire des informations intéressantes, quoi. Sauf si on le paye à l'information. Ouais. Dépend de quoi on a besoin sur le moment. Après, on peut lui glisser le mot « Oh, ce serait bien que t'aies ça », et le jour où on a besoin de l'info, ben on lui paye l'info. Et c'est au risque qu'il fasse pareil avec nous. C'est ça. Et si on a besoin de l'info sur l'instant T, il pourrait nous donner directement l'info quoi. Tout ça pour ça. Ils ont un suivi de ça ? Ah, je sais pas. Peut-être des plaques mais pas des couleurs hautes quoi. Ouais, bon on verra. Aucune idée. C'est rien. Ok. Est-ce que je peux avoir un petit topo de ce qui s'est passé les 4 jours 4, 5, je sais plus. Je sais plus où j'en suis. 5. Qui s'y colle, les gars? Ah, je sais rien passer, on a travaillé. Ouais. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, en gros, oui. En gros, oui, y'a rien eu de grave. Ok. Y'a rien eu du tout, mais. Est-ce qu'on a des nouvelles de Antoine? Non. Non, il fait encore le mort. Ça fait plusieurs jours qu'il a pas été vu au Beniz, donc. ils ont pas de nouvelles. Inelli, oui. pas le Strolls. Barbe blanche. Non, là on parle du connard de patron. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Bah, il a quand même menacé Rosa. Ok. Donc, non, donc aucune nouvelle. Okay. Bah, visiblement, oui, parce que j'ai posé la question en toute honnêteté la dernière fois à un mec du Beniz et il m'a dit bah, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ok, bah. Donc, bon, bonne question. C'est qu'il doit, flipper sa race et il doit faire un petit peu le. Bah, au pire, écoute, hein, qu'il reste terré, c'est pas grave. Derrière. Oui, ça me fait un peu chier quand même. Ah, bah, écoute. Je t'avoue que péter 2-3 doigts, ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Bah, il m'a menacé. Ça, il m'a menacé. Quand ça? La semaine dernière. J'étais pas du tout au courant. Ça. Ou il y a 15 jours. Hein? C'est la semaine dernière ou il y a 15 jours? La semaine dernière. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on ait un suivi sur l'intra des trucs qui se passent. On l'avait pas noté dans la blacklist? Mais il faut avoir le réflexe d'aller regarder dans la blacklist alors que on fait un truc spécialement dans l'intra en disant voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé hier, etc. On a un suivi où on peut tout suivre. Yes. Faut qu'il y ait plus de communication même dans l'intra en vrai. Ok donc. Tu peux le faire. Ouais bah je m'occuperai de ça demain dans la journée. Ok, donc on en a un qui fait le mort. Très bien. C'est parfait. Que ton Blackberry là. Tu me matraques ouais, les ouais, et très bien, tu vas devoir t'en racheter un dans pas longtemps là parce que t'es en train de le défoncer, t'es sûr, y'a pas les touches qui s'envolent. Putain. Ah c'est terrible. Wouah. Ok. J'ai vu qu'il y a des sacs qui avaient été ouverts dans la compta. Je sais qu'Anako en a
Oh ah ben d'accord. Mais c'est qui... Désolé. Mais c'est que t'es tendu ce soir. Putain. Attends, vas-y, je vais me coucher, j'en viens. Tiens, non, tiens toi là. Karine qui a tourné dans l'angle là. Eh, je m'appelle pas Karine, Jules. Hein. Mais on t'y ressemble. Hein. Oh, non, oh l'insulte. Avec ta tête carrée là. Oh putain, ouah. C'était gratuit ça. Hein. Non, mais c'est parce qu'il est jaloux. D'accord, jaloux de ta tête carrée. Ah, c'est une autre histoire, t'inquiète. Ok, je veux pas savoir. Non, t'inquiète. Ok, ok. Oui, du coup, j'étais en train de dire, Anako a quelques sacs à vendre, il en a plus de 100. Si je dis pas de bêtises, 172, un truc comme ça. Par faudrait contre... qu'il se manifeste. Il m'avait dit qu'il serait pas là cette semaine, mais il revient la semaine prochaine. Donc je lui ai dit... je lui ai dit de vous contacter. Parce que je... Il a toujours des détails spéciaux, lui, ou pas? Au niveau des sacs, il est à 150. Y a que pour les pochons. Y a que pour les pochons, ok. Ouais. C'est bon savoir ça. Mais les sacs, en général, on arrondit un petit peu au supérieur. Voilà quoi. Ok, est-ce qu'on a des nouvelles des Misfits? Hola Nocta, comment ça va? Michael, ouais. Ah. Par rapport à quoi? Tu leur as parlé de la propale? Ils veulent pas. Ok. Ils t'ont donné, une raison ou... Pas un nom définitif, mais ils sont bien à deux, ils ont leur petit truc, leur petit rythme. Ok. Enfin, pour le moment, non, mais... Ok, ok. Ah, elle m'a dit que c'est pas un nom définitif, mais là, elle est pas là jusqu'à lundi. Ouais, deux, donc elle veut pas s'engager, c'est ça, pour l'instant. Non, les deux, c'est l'un, c'est les deux ensemble ou rien, oui, et oui, les bah deux, ça... ils partent sur le moment en mode non. Ok. Bien dans leur truc, ils ont pas de pression, ils avancent à leur petit rythme, ils ont une bonne cohésion d'équipe et voilà. C'est compliqué en ce moment. Ok. Ok, donc on a toujours les places de dispo du coup. Toujours les places de dispo, le dernier que j'ai vu, ce qui était intéressant, c'est Nat. Ouais, c'est ce que ouais. Kenneth disait. Firme, je l'ai vu cet après-midi. Ouais, Nat hier il était très en mode ouais, il faut que j'achète un nouveau véhicule pour aller faire des bracos pour vous, n'hésitez pas, nanana. Ouais. C'est pour ça que j'ai directement connecté Nat à James pour lui acheter ça, sa. Club. Ta club, ouais. Ok. Au niveau des tarifs, il est à combien, Nat? 35, j'ai envie de le monter à 40. On le monte c'est à 40. C'est ce que j'allais dire. On la monte à 40 pour la simple et bonne raison que je vous fais confiance, parce que moi je ne l'ai jamais rencontré, donc je vous fais confiance là-dessus. C'est juste que, étant donné que je vais devoir m'absenter une semaine, je veux pas qu'on le recrute là maintenant, mais il faut lui montrer qu'on est intéressé et essayer de le garder sous le coude. Donc du coup, ça va permettre, avant mon retour, de le mettre une semaine en gros test, en lui augmentant ses tarifs. Toujours la façon de le mettre prospère. Et voilà. Ah, Prospect, il a accès à quoi, concrètement? C'est nous qu'on choisit. Ok. Ok, ok. Ouais, donc c'est une possibilité. C'est une... En gros, tu lui dis, tu quittes le vignoble. Hop, on passe Prospect. Et potentiellement, ça... lui, il a quitté le vignoble, il a du prêt. Merci, à Nocta. Intéressant en vrai, de le mettre en prospect. C'est le meilleur moyen de tester quelqu'un, c'est de le tester sur le moment avec nous, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Si tu le mets prospect, comme j'ai dit, il faut qu'il quitte son taf. Et ça, par contre, oui, ça c'est sûr et certain. Là, si Rosa part une semaine de préavis, voilà. C'est ça. Ok. Il est là ce soir ou pas? Et de la place, tu veux. Je l'appelle, ouais. Parce que s'il est là, on fait ça ce soir. Je l'appelle, moi, il m'aime bien.
Vas-y. J'aimerais juste profiter que vous soyez là pour discuter d'un petit truc. J'en ai discuté avec Jules l'autre jour. Le PPA qu'il a, c'est cool, mais il est super limité dans ses actions. Donc, non, mais le PPA, on a d'autres personnes qui peuvent éventuellement vendre des armes. Voilà. Donc, ce serait cool qu'on ne le limite plus sur ce que soit Braco, etc. Parce que lui, à la base, il adore ça. Non, non, mais de toute façon. Pas, qu'on n'ait pas peur de perdre son PPA, quoi. J'y réfléchis. Tu fais une mule remplie de 9 mm quelque part, et basta, quoi. Là, je suis totalement d'accord avec ça. Techniquement, voilà. C'est largement faisable avec un PPA et ne pas le perdre sur un Braco. Ça va. Comme ça, il est pas bloqué juste au pochon, quoi. Ouais. Ok. Donc ça, c'est bon. Au niveau matos, est-ce qu'on est bon? On a refait le plein de brouilleurs. On est bon. Et pour l'instant, ça va. Au pire, s'il faut qu'on fasse une rota, on ira faire une rotation. On ira acheter ce qu'il faut. Ce serait cool aussi qu'on prenne l'habitude tous les soirs d'aller voir la liste des véhicules à vendre. À vendre, à voler. À réquisitionner comme avec Eli. Mine de rien, ça paye bien. Il faut faire attention quand vous y allez. Ouais, non, mais du moment où le process est suivi, honnêtement, vous pouvez aller voir. C'est que c'est tout con, hein, mais quand on connaît bien les bagnoles, quand on connaît bien la ville, je te prends l'exemple d'hier. La Banshee c'est 4005, la Serge c'est 2005 et la Regina c'est 2005. La Banshee et la Regina on les a trouvés en 10 minutes. Donc tu fais le calcul, on a fait pas mal de thunes en moins d'une demi-heure, tu vois. Ouais. Je sais, j'étais avec vous donc. Ouais, non, mais je dis surtout pour Rosa. Yes. Donc ce serait cool qu'on prenne un peu plus l'habitude d'aller voir les véhicules. Bah, ça, de toute façon, c'est vous qui le gérez, puisque moi les véhicules, je ne connais pas du tout les véhicules donc. Ah non, mais c'est sûr. Voilà. Mais au moins ça diversifie quoi. Mais voilà, si vous vous sentez capable de faire ça efficacement, faites-le. Ok. Faites-le, y a pas de souci. Ah, ce sera à mettre à jour. L'APP, j'ai pas redonné de date à madame machin truc là, connasse. Elle garde le paiement. Comme ça, c'est déjà payé pour quand on la fera. Ça nous laisse le temps de bien l'organiser. Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez aborder? Pas pour moi, non. Ok. Les autres? Kenneth, Jules? Spécialement. Ok, et Kenneth? Plus. Okay. Du coup, dernier point à aborder, j'en ai parlé un peu avec toi, James, dans la voiture. La place de numéro 2. Michael, j'ai bien compris que ça s'était très très mal passé. Il y a eu une grosse mésentente. Tu veux l'appeler comme ça, on peut l'appeler comme ça. Il n'y a pas eu que du tort de mon côté, Michael. Tu peux pas dire ça. Il y a des choses que tu as faites qui étaient contre les règles aussi. Donc peu importe. Tu peux me dire lesquelles? Prendre une radio seule avec les gars. Tu es en train d'aider Harry à s'échapper. Pas confiance. Oui. Je te rappelle qu'à la base, tu m'avais dit que tu m'aiderais. Tu ne l'as pas fait. Je t'ai aidé, mais au moment où ils ont tiré sur Kenneth. Au moment où ils tiraient sur Kenneth, j'ai été une des premières à me rendre sur les lieux.
Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous aviez changé de radio. Donc, les calls ont été faits sur l'autre radio. Moi, j'ai été laissée sur le bas-côté, alors que j'étais en train de me rendre sur les lieux. Donc, tu peux pas dire que c'était une très bonne décision non plus. S'il y avait eu besoin de tirer, j'aurais tiré. On soit bien d'accord avec ça. Ah mais c'est que tu t'es fait tirer. Mais tu t'es pris des balles, Canette ? Ouais. Une. Moi bah, je croyais que c'était ta voiture. Oui, c'est ma voiture qui s'est fait plomber. Oui voilà, mais toi t'as rien eu. Si, mais ça va, c'est pas. Brûlure, tu sais, ça est raflé quoi. Ah ouais, non mais moi j'étais pas au courant de tout, je croyais qu'en fait ta voiture, tu m'avais envoyé une photo de ta voiture et je pensais que voilà, ils avaient vidé le chargeur sur ta voiture et c'est tout quoi. Ouais, à peu près, ouais. D'accord, ok. Bon, ça va. Et c'est les mêmes gars qu'on a fait venir et au quartier, c'est ça? Ouais. J'aurais fait la même chose, j'aurais tiré aussi. Proposition. Du coup, pour Antoine, on lui coupe 3 doigts, c'est ça? Enfin, des membres. Franchement, on va lui péter les 2 genoux et on va lui couper des mains, je pense. D'accord. Et en sachant qu'il y en a une qui se dort la pilule à je sais pas où, et qui est tranquille. C'est quoi le rapport? Enfin, il y a eu menace de mort envers toi, ce que j'ai compris, par rapport à Antoine, alors, ça? Antoine m'a menacé. Ah oui, c'est ça. Il m'a pas menacé de mort, il a menacé de divulguer des informations. D'accord. Qui pouvait potentiellement me faire tomber et nous faire tomber. Les infos, si c'est les infos que je pense qui peuvent me faire tomber, j'en ai rien à foutre. Il peut les balancer. Honnêtement, ça va pas me changer ma vie. Je dormirai toujours de la même façon. Si c'est quelque chose qui peut nous faire tomber, le problème c'est que ça risque de faire tomber les Skulls et potentiellement les Rodeux avec. Et ça, c'est hors de question. Donc c'est pour ça que le Antoine, il faut vraiment le calmer. Le lui, problème. Plus que Harry, quoi. Harry, hormis essayer de sauver sa peau, elle a rien fait. Qu'on soit bien d'accord. Elle a rien fait, d'accord. Ok, elle a rien fait. Elle a fait quoi, selon toi? Oh bah non, bah elle a rien fait. Non, mais vas-y. On est là pour discuter, vas-y. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que. Ça me fatigue déjà. Elle a rien fait, comme tu dis. Quoi, on. On s'est fait chier toute une soirée à chercher où est-ce qu'elle était. Si elle a rien fait, elle a quand même braqué. Elle t'a pris en otage, elle a amené tout le monde en bourrique pendant la soirée. Voilà, c'est ça. Puis elle s'est bien foutu de notre gueule parce qu'on avait l'ordre de ne pas tirer sur elle. Comment ça, elle s'est foutue de notre gueule parce qu'on avait l'ordre? La dernière fois, tu sais, au ponton, là. Oui. Quand elle est partie en moto, elle a bien klaxonné pour dire « Ouais, les gars, vous m'aurez pas, quoi. » Ah, donc tu t'en tiens à un klaxon? Je sais pas, tu sais que t'avais 3 personnes, enfin 4 personnes sur ton dos à tourner dans la ville pour te trouver. Tu dis au téléphone, ouais, de toute façon vous me trouverez jamais, machin et tout. On va à un point qu'elle nous a donné. On regarde discuter pendant 5-10 minutes. À l'ordre de ne pas tirer, elle prend sa moto. Elle s'arrête bien à notre niveau avec l'axon et elle s'en va. Toi, c'est pas du foutage de gueule, ça. J'ai jamais dit que c'était pas du foutage de gueule. Non, c'est une question. Non, mais j'ai jamais dit ça. Oui, peut-être qu'elle a joué sur le fait que du coup, elle avait ma protection. Peut-être. Ah, d'accord, ok, voilà, c'est ça. Du coup, Antoine, c'est juste parce qu'il a failli te faire tomber, c'est ça? Non. On cherche. Qui me fasse tomber, je m'en fous, je viens de dire. Le problème, c'est que s'il nous fait tomber, il y a un monde où il fait tomber tous les gangs. Parce que les seules infos qu'il peut avoir, qui peuvent faire tomber les Forsaken en tant que Forsaken, c'est potentiellement des emplacements importants ou des business. Il est au courant de quoi exactement? Mais justement, on ne sait pas. On ne sait pas. La seule chose qu'il m'a dite au téléphone, c'est j'ai des informations sur toi et sur ton groupe qui peuvent te faire tomber et vous faire tomber. Me faire tomber, honnêtement, je ne vois que 2 choses qui peuvent me faire tomber.
Mais bon, ces choses, si elles sont dévoilées, honnêtement, c'est pas ça qui me fera tomber. Mais c'est le vous faire tomber en tant que gang. Là, par contre, hormis une question de business, je vois pas ce que ça peut être. Le problème, c'est que si c'est le business, on partage le champ avec les Skulls. Comment il aurait cette idée, enfin... Je sais pas. À moins qu'il fasse du pipeau et c'est tout. Non, je sais pas. Je te rappelle que le champ des Rhodes avait été découvert par Vanessa de Bleu Ciel parce qu'elle cherchait un endroit pour son baptême. Donc, visiblement, c'est pas si difficile que de trouver un champ que ça, à ce que je vois. C'est vrai. Et toujours est-il que moi, Rosa, je comprends ce que je veux dire. Mais je comprends aussi, j'ai jamais dit que je comprenais pas. Ouais, non, mais je mais le je truc, c'est pas, que il faut qu'on se mette chacun à la place des autres aussi. Je suis d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire, Rosa, mais je dis juste que plutôt que de le choper et de le démonter, ce serait pas mal non, de le moi, choper je veux savoir et de, ce d'avoir. Qu'il a. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il a. Si on peut éviter de lui ruiner, on va dire, son corps, etc., tout en sachant ce qu'il a. C'est toujours mieux quoi. Non, c'est que. Non, le but, c'est de le faire parler. S'il refuse de parler, on le fera parler. Dans tous les cas. Il faut qu'il parle, il est obligé. Si on doit employer la manière forte, dans on tous le les fera. Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais si on a une mais solution, on, est connu, on peut choper l'info. On est connu pour discuter. Donc discutons. J'y peux aussi. Le problème. Oui, non, mais ça, faut qu'il se détende, les gens, vraiment, je te jure. J'en peux plus. Mais vraiment, en fait, le problème, c'est que là, on a affaire à un fantôme. Si le fantôme reste fantôme, tant mieux. Hein. Ah oui, bah s'il reste fantôme, c'est très bien. J'aimerais quand même savoir les infos qu'il a, parce que le problème, c'est que potentiellement, si lui a ce genre d'infos, il a pu en faire part à des amis à lui. Pourquoi pas? On sait pas. Attendons de voir s'il ressort de sa cachette, et s'il ressort de sa cachette, on aura une discussion avec lui. Donc concrètement, c'est que si vous arrivez à le choper la semaine prochaine, quand je suis pas là, vous essayez d'obtenir les infos. Okay. Et si jamais il est réticent, vous savez ce que vous avez à faire. Potentiellement, ça peut être le genre de personne à, entre guillemets, avoir dans sa poche. C'est qu'il est toujours en fait une putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et qui se disent qu'à tout moment, sa tête, il la perd. Lui, il y a besoin qu'il nous craigne, vraiment. Parce que là, il s'est senti pousser okay. Des ailes, je sais pas par quel miracle. Pour Harry, à mon avis, hein, mais bon. Bah, n'empêche qu'il l'a bien laissé tomber. Il l'a laissé tomber. C'était à lui, à la base de la sortir des EMS. Il l'a planté à la dernière minute. Il a fait silence radio comme il fait avec nous en fait. Il a fait le fantôme. Et du coup c'est De Bleu Ciel qui s'en est chargé. Alors qu'à la base De Bleu Ciel n'était même pas dans l'équation. Il y a été propulsé donc un beau merdier. Donc ceci étant dit. J'ai quand même une question à faire. Pourquoi est-ce que De Bleu Ciel, Harry, ont foutu les pieds au quartier? C'est des civils, c'est des gens qui étaient des personnes non grata, ont été au quartier tranquillement et après on les a ramenés à l'aéroport. Si je j'ai peux appris... me permettre, on j'ai peut appris... aussi dire ça de Mourant, mais bon. J'ai appris que De Bleu Ciel était recherché par les Skulls et Antoine également. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, j'ai eu une menace des Skulls me demandant de retirer mes avis de recherche. Enfin, des Skulls, non. De Kruger. Donc je sais même pas pourquoi ils recherchent Antoine. D'après Kruger, c'est quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que tout le monde. J'ai l'impression qu'il parle du titan. Et donc, t'as Kruger qui nous appelle en disant enlever ça.
non plus tout seul se permet de menacer tout un gang et on fait ce qu'ils veulent. Alors moi, tant que j'ai pas parlé avec Romano, je t'avoue que je ne ferai rien. Mais pour ça, il faut que je prenne rendez-vous avec Romano. On sait tous les deux à quel point c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec Romano. Donc là, si on me demande s'il est encore recherché, je dis oui. Non. Non, j'ai prévenu tout le monde. Tout le monde est au courant que plus personne n'est recherché. On a fait ce qu'ils ont demandé. L'ordre qu'ils ont donné a été... Alors, tout simplement parce que je voulais pas que les Skulls vous tombent dessus. C'est une question de protection. Après, si vous voulez une guerre avec les Skulls, hein, y a pas de souci, hein, je relance les avis de recherche, mais je pense pas que ce soit une très très bonne idée, sachant qu'on a les Vagos dans le cul. Hein. C'est pas faire une guerre avec les Skulls, c'est juste... Ils nous disent un truc, on se plie en fait. À un moment donné, on est au même niveau qu'eux, c'est... Vous voulez ça, nous ça nous arrange pas, on veut le choper, on va le choper. Alors, il m'a jamais dit que on n'avait pas le droit de le choper. Il m'a dit de retirer l'avis de recherche, ce que j'ai fait. Il n'empêche que si on chope le Antoine, on chope le Antoine. Le fait. Mais je veux juste pas mettre d'autres personnes dans l'équation. Parce que sur qui ça va retomber si jamais les Skulls viennent à tomber sur les Rhodes? Bah nous du coup on aura les Skulls plus les Rhodes sur notre gueule. À l'heure actuelle, tu penses vraiment qu'on peut assumer tout ça? Les Rhodes et les Skulls? Le problème c'est qu'ils disent un truc, on se plie. C'est même pas le numéro 1 ou le numéro 2, c'est un random Skulls qui fait « Ouais, enlève ça !» Ok. Numéro 1, c'est un random. À un moment donné, on a un gang, on a nos positions, il faut les tenir. Tant que je n'aurai pas eu de rendez-vous avec Romano et que je ne saurai pas exactement ce qu'il en coûte. Ok. Ça restera aussi. Je veux pas que vous ayez à gérer ce genre de merde quand je suis pas là. Est-ce que du coup il y a d'autres questions? Côté. Ok, parfait. Donc, changement dans la hiérarchie, puisque Michael, tu ne veux plus être numéro 2. Bah, tu me l'as fait comprendre en tout cas. Voilà, je te confirme que. Et bah voilà. Les signaux mixtes, ça me va pas, donc je préfère et bah voilà. Être ailleurs. Et moi j'ai besoin de quelqu'un de confiance à ma droite. Donc James, pour l'instant, tu es, comme je t'ai dit, dans la voiture. Je te mets en phase de test pendant une semaine. Le temps de mon absence, je te laisse gérer. Tu sais exactement ce que t'as à faire, la façon dont tu dois le faire, comme je veux qu'elle soit faite. Okay. Si toutefois tu as un quelconque problème, je peux être joignable en cas d'extrême urgence. Et sinon tu passes par Kenneth. Kenneth, en attendant, pendant que James sera numéro 1 par intérim, Kenneth tu seras le numéro 2 par intérim. Donc tu épauleras James. C'est pareil, tu sais exactement ce que je veux, comme je le veux, et ce qui doit être fait. Et ça, là-dessus, je te fais confiance aussi. Ok.
Jules, j'ai vu avec James, du coup, c'est moi. On a tous vu. Ton PPA est très très bien, il est très utile. Maintenant, effectivement, t'es beaucoup trop limité, c'est emmerdant pour toi, surtout, parce que tu te fais un peu chier. Oui. Du coup, tu peux braquer. Tu peux, t'as fait comme tout le monde, juste ne fais rien de foufou avec une arme. Non, t'inquiète pas. Enfin, avec un œuf. Pour éviter aussi bien de perdre ton PPA. Même si on a d'autres personnes sous le coude qui ont un PPA, si jamais vraiment. De toute façon, je pense que vu que ça fait longtemps que je l'ai, ça se trouve, ils ne le savent même pas. Hein. Il y a un vrai monde. Hein, mais alors, de toute façon, pour l'instant, j'ai été, je crois, vérifié trois fois. J'ai été arrêté trois fois avec un œuf. Ils n'ont jamais vérifié mon PPA. Hein. Voilà, après, non, mais après, Rosa, ils savent que tu n'as pas de PPA, tu, forcément, tu vois. Non mais peu importe, je suis pas la seule hein, dans ce cas-là. Si ça se trouve les autres ils vérifient, enfin, nous les gangs ils vérifient pas parce qu'ils savent qu'on a, forcément qu'on en a pas. Si ça se trouve eux ils ont totalement oublié Jules ou une connerie dans le genre. Hein. Eh ben, tant mais mieux, si ça se trouve, si ça se trouve premier braquage à faire, il va se faire niquer son PPA. Mais on a toujours des solutions derrière, c'est pas grave. Après le, si PPA, le PPA on prend une partie d'études de la caisse noire et on met des armes dans un véhicule qu'on cache dans un parking et voilà. Mais de toute façon techniquement le PPA ne saute que si la personne est arrêtée avec un 9 mm, sinon ils ont aucune raison de vérifier un PPA. Et bon tu sais. Ouais, normalement. Va après en alerte, je sais pas. Je sais pas exactement. Ouais non mais avec eux je m'attends à tout. Donc, bah au pire on verra bien. On a toujours des solutions sous le coude, c'est pas le souci. Ouais. Du coup pour Nat. Et eh ben, dès qu'il est là, vous le passez prospect. Vous le mettez en test. Pour voir ce que ça donne. James, du coup, je vais envoyer un message à tous les numéros 1 de gang pour le changement d'hierarchie. Alors, désolé de te couper, mais. Je suis prévenu numéro 2. James, tu vas te faire foutre. Quoi ? J'ai dit Jules ? Bah j'étais promu numéro 2. Oh merde ! Michael, tu t'es quitté. Alors James, tu vas me filer tes pompes et ton pantalon s'il te plaît. Oh pardon monsieur, pardon chef. Tiens, let's tiens, go, chef. Et les clés de ta caisse en plus. Chef ! Oh non, la flemme pleut. Attends. Ouais, ouais, j'ai été promu numéro 2. Voilà. Ah super. Bon bah je vais. Bon bah je suis de retour chez les gueux. Bah je suis membre. On s'en fout, on a la meilleure place mec. Oui. Pas une décision à faire mec, c'est vraiment trop bien. Et toi normalement c'est bon. Le jour où tu prendras une bonne décision, tu m'appelleras hein. Tu commences très mal hein. Voilà. Alors, ça, on a plutôt de la thune après, comme ça c'est bon, cette histoire c'est fini. Tu gères là-dessus. Oh putain c'est vrai, ouais ok. Genre la compta, tout ça. Ce que je vais faire c'est que James je vais te virer la caisse. Pour être sûr que tu sois tranquille. Petit connect. Ok attends, on en est où là dans la compta? Ouais, à ce niveau-là, envoie-moi la moitié de la caisse à moi et la moitié de la caisse à Kenneth. Faut y aller ou pas? Parce que j'ai du boulot là sur la planche là en vrai. Ah, ça serait cool qu'on aille voir les véhicules à voler aussi. Bah non, on a peut-être des sacs à ouvrir. Bah, on peut y aller avec des sacs qu'on met dans nos poches, on va les ouvrir en speed et on est dans le profit pour regarder les véhicules. Non, je vais en chercher là des sacs. Et d'ailleurs, Kenneth, hier soir t'aurais été avec nous, t'aurais pété un boulot. Je te jure, hein, putain la haine hier soir. Ça a recommencé ? Ouais, ça a recommencé. Ouais. On fait la chercher, tu vois. On tourne, on tourne, on tombe sur une carine, je sais pas quoi là. On en trouve une, deux, trois, et après avec ça. Comme la dernière fois. Ouais, comme la dernière fois, il était pas en tout. C'est cool. Bon, allez, je vais bosser. Qui d'aller me revoler ma clé encore cette fois ?
Moi je vais les vendre tranquillement. Yeah. Avant qu'il me la repique cet enfoiré. Étant donné que Kenneth il est souvent là en après-midi, ce serait cool qu'il ait la moitié de la caisse noire lui aussi. Au pire, Michael, tu lui vires la moitié, enfin, tu lui vires ta caisse noire et Rosa, tu me vires la tienne, si c'est que ça. Je change les trucs, pas ça. Non, du coup faut que je note mon argent de côté. Je te dis non, pour le moment pas besoin, tu verras. Du coup, le Nat, on essaye de le passer en prospect. Parce qu'il donne. Ouais. Dès qu'il est là, vous le passez prospect, vous le testez, vous voyez ce qu'il donne vraiment sur le terrain. Alors, on va lui faire faire des sups, on va lui faire faire, on va le faire vendre, on va lui faire chercher des véhicules. Ouais. Juste pas d'accès transfo, pas d'accès back market. C'est nulle part en fait. Et s'il chope un véhicule, il nous le donne et on le livre nous-mêmes. Oui, dans un endroit neutre, vous allez récupérer. Oui, t'inquiète là-dessus. Théoriquement, Prosper il a le droit d'être au quartier, il a pas le droit d'aller sur les lieux de production ni de récolte. Ouais, non. Tout. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Je vais faire les virements bancaires, j'en ai marre de prendre l'appui. Ta part donne la Kenneth, mais préviens-le avant. Ça commence bien. Bah bon courage hein. Ouais. Moi, on m'a toujours appris un truc. J'ai bossé dans un bar à Chicago, mm-hmm. Et mon patron, il avait une méthode, mais parfaite. Il déléguait. Et il s'est jamais aussi senti bien quand il a délégué. Donc, on va pas forcer non plus, hein. Oui, bah. J'ai prévenu Bobby et Romano. Du coup. Je sais qu'il y avait les. Merde, comment ils s'appellent ? Laisse-moi regarder la compta. Je vais me souvenir de leur nom dans les PM. Shaq et Ama. Ouais. Et qui voulaient faire une présentation. Tu veux qu'on fasse ça ce soir ? Ben, qu'ils se mènent le fiac parce que moi d'ici 20 minutes, je suis au pieu.
Michael, tu me confirmes que Shakiyama il voulait faire une présentation ou je sais pas quoi? C'est moi qui gère ça. Qui c'est qui m'a donné l'info qu'il voulait faire une présentation? La dernière fois c'était Kenneth, c'est Kenneth qui nous a mis au courant comme quoi il voulait faire une petite présentation, mais après je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Kenneth? Ouais. Shakiyama il voulait se présenter ou pas? Ouais, mais ils m'ont pas dit quand en fait. Ok, bah ils attendront une semaine. Du coup, Kenneth, je te fais le virement de toute ma caisse noire, comme ça c'est toi qui gères tout le tralala de la compta. Moi je vais être riche. Oh, t'es ouf, mec. Et James, c'est pas pour un véhicule, hein. Du coup, Jules, il faudra que tu lui expliques. Pardon, James, il faudra que tu lui expliques tout ce que je t'ai expliqué sur la compta. Yes. Ah oui, donc il t'a filé la place avant même que je te la file, quoi. Oui, oui, en gros, oui, bah c'est ce que je t'ai dit par message. Hein. Mais ça. Et là, ce qui me tue, c'est que du coup, il va penser que je t'ai choisi toi parce qu'il m'a demandé. J'aurais dû mettre Kenneth juste pour le faire chier. Je te jure, hein. Ça m'aurait arrangé, Rosa Soyo. Non, non, non. Je suis désolé pour toi, mais. Ouais, non, mais je sais. Mais bon. Ça, moi, non, mais n'hésite pas à te reposer sur Kenneth. Ouais, non, mais je sais. Kenneth, il a beaucoup d'après-midi. Je cherche bien avec les PM et tout, donc Kenneth, je vais c'est un très bon élément. C'est un des fondateurs de Forsaken. Il a 100 000% de ma confiance. Ok. Donc si t'as un doute, tu demandes à Kenneth. Ok. Il sait exactement, il connaît ma vision, il connaît la vision de Forsaken. T'as tout reçu normalement.